C'est comme à chaque fois un vrai plaisir, parce qu'on est, vraiment super bien accueillis. Et c'est super agréable pour le Racing de voir que sur le territoire alsacien, on puisse vivre des moments comme ça. On sent les jeunes joueurs et les jeunes joueuses super heureux de nous voir. Les élus sont également extrêmement satisfaits du rapprochement qui peut y avoir entre le club phare et les clubs amateurs de la région et le territoire. Un atelier, on va tirer au but. Un atelier, on va travailler la conservation. Et à quoi ça sert dans le corps? Pourquoi on doit en consommer ça? C'est des vitamines, c'est bon pour la santé. C'est bon pour... Ouais, c'est ça, ça va donner beaucoup de vitamines. On a joué à la plaine. Ensuite, on a joué au foot, on a fait des tirs et on a fait des passes. Et après, on va faire des tirs dans des ronds. C'est une belle reconnaissance pour le travail des bénévoles et du club en général. Ça va être une journée vraiment intéressante pour les enfants qui va leur vendre beaucoup de rêves et surtout ça va leur donner l'envie de poursuivre la pratique sportive et d'aller plus loin dans le football. C'est vraiment une source de motivation ce type de journée pour les enfants et les éducateurs. C'était d'être professionnel. Et toi, t'as un objectif dans le football? Pas encore. Ça a réussi à faire signer. Bah ouais, moi je suis contente, si les enfants ils sont contents, je suis contente. Par contre, faut que je compte le score là, alors... 24 toujours. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Toutes les signatures. Ça va me faire des rires.